Elle a pleuré, je l'ai consolée, mais c'était bizarre de la j'ai consolée. J'ai consolée. Non, mais c'était. Un jour, je marche dans la rue à Montréal et un petit qui a dit papa. Ah ouais, c'est ça. Ça fait un peu folle quand même. Donc elle était pas terrible, si elle avait été belle, elle aurait pu se passer quelque chose. Le truc le plus dingue qu'un fan ait fait pour toi, vraiment un fan un peu. Arrivé dans ma chambre avant que j'arrive. Mais non. Waouh. Comment il est rentré hein? Chambre d'hôtel. Chambre d'hôtel, ouais. Comment il est rentré? Ouais, j'ai travaillé dans l'hôtel. Vas-y, il y a un bail derrière. Vas-y, raconte. Hein? C'était une femme de chambre. Non, ça m'est déjà arrivé aussi, femme de chambre. Mais non. T'attends dans la chambre. Fais attention à ça, en fait, parce non, que tu sais que ça a coûté certains. Ouais, je sais. Non, femme de chambre, en fait, c'était au Canada. Je dormais encore. Et là, elle est en train de passer le plumeau sur ma bouteille. Elle croyait qu'il y avait personne, donc elle ouvre comme ça, elle voit qu'il y a quelqu'un, elle fait ah désolé, tu vois, j'ai levé la tête, elle allait fermer la porte, elle fait c'est qui là, elle me saute dessus. Comment ça, dessus? Elle saute dans le lit. Mais c'est incroyable. Et il s'est passé quelque chose? Elle était pas mal. Ah non, il s'est passé, elle a pleuré. Elle a pleuré, je l'ai consolée, mais c'était bizarre de la j'ai consolé. Non, mais c'était. Un jour, je marche dans la rue à Montréal et un petit qui a dit papa. Non, mais c'est ça. Ça fait un peu folle quand même. Donc elle était pas terrible. Si elle avait été belle, elle aurait peut-être pu se passer quelque chose. Bon, je crois que. Bon, non, elle était bien, mais bon, j'ai pas. Ça rigole grave en régie. Elle était bien. Imagine, je dis, elle est pas terrible, elle est en train de regarder l'émission. Ah, il y a peu de chance quand même. Elle est aussi arrivée du Canada, c'est bon. Tiens, mes fans à travers le monde, ils regardent c'est tout vrai, ce que c'est je fais. Vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hein, et tu pensais à un autre fan un peu dingue là, avant la femme de chambre? Ouais, mais je vais pas. Ah, c'est chaud. Allez, c'est entre nous. C'est un ou une déjà? Change le prénom. Comment? Celui qui était chelou, l'autre dont je peux pas parler, c'est un ou une fan? Une fan. Ok, une donc fan. C'est une meuf. Ok. Okay. Mmh. Et on peut pas en dire plus. Elle avait réussi à rentrer dans sa chambre, c'est ce qu'il a dit. Dans sa chambre d'hôtel. Mais comment elle est rentrée dans cette chambre? C'était quelqu'un d'important. Ouh, voilà. C'était la propriétaire des lieux. Il non, oui, non, mais ça m'est déjà arrivé aussi avec la. La propriétaire d'un hôtel. Il m'est arrivé que la femme du propriétaire. Mais non. Mais ouais. Après, c'est un hôtel au Cap d'Agde, naturiste, un autre bail, mais non, c'est ouf. Et attends, on veut savoir qui c'est l'autre, parce que c'est quelqu'un d'important. Ou alors, déjà, dans quel pays c'était? Ça peut nous mettre sur le coup. Non. Surtout non, pas non, je veux pas trop. Ah, parce que c'est la femme d'un président, donc on va le trouver tout. Ouais, non. C'est de la famille importante. Non. Ok. Bon, on fera notre enquête, hein. Si tu veux pas dire, on déformera la vérité, c'est pas grave. Elle est la spécialiste pour ça. Une chanteuse ou pas? Est-ce que c'est une chanteuse? On va jouer au tabou. Je vais me taire. C'est une artiste. Je vais me taire. Est-ce qu'elle a une moustache sébile? Est-ce qu'elle a une cicatrice?